Bonjour, bonjour mes petits chats, comment allez-vous? Allez, en commentaire, comment allez-vous? Nous sommes jeudi 16. Oh, il n'y a plus de demain, après c'est les vacances. C'est les vacances, mes petits chats. Regardez, j'en baille déjà. Excusez-moi. Donc demain soir, c'est les vacances. Là, il était 8h30, je crois. Donc dites-moi quand vous préférez que je commence quand il fait noir. Vous voyez, je vous fais voir l'heure au micro-ondes, je me fais un thé ou un café, ou comme ça que je démarre directement comme ça. Vous me dites en commentaire, hein, mes petits chats. Donc là, je faisais les vestes, ce qui restait de trois vestes de cet été qui étaient accrochées. Et tous les jours, il faut que je le fais, il faut que je le fais, il faut que je le fasse. Et puis ben, là, je me suis décidée, et puis je l'ai fait. Moi, j'ai fait un petit programme, hein, vite fait, hein, trois vestes. J'ai mis un petit programme à 17 minutes, vous savez, 20 degrés. Hop, voilà quoi. Donc là, j'ai déjà fait une machine à vendre, donc je la pends. Puis je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi quand je sors mon linge et que je le pends, donc je le secoue déjà. Vous voyez, je le secoue et je le sens. Oh, j'aime bien, ça sent bon la lessive et l'adoucissant et tout. Ah, j'adore ça. Donc, est-ce que vous, vous êtes comme moi? Donc voilà, donc je prends mon linge et puis parce que je vais nettoyer mon petit hall d'entrée. Donc je vais vous laisser là et je vais vous mettre une petite musique. J'avais oublié que j'étais avec le téléphone de mon garçon et il faut qu'il me mette des musiques là parce que ben, j'en ai pas à vous mettre. Donc écoutez, je vais vous bablater. Qu'est-ce que vous en dites? Vous aimez bien quand je vous bablate? Oui? J'avais d'autres questions à vous dire. Dites-moi en commentaire où vous allez. Est-ce que vous faites les fêtes de fin d'année? Pas où, mais est-ce que vous faites Noël et Nouvel An? Dites-moi. Donc nous, oui, on fait Réveillon et Noël. On fait le 24 au soir et le 25 toute la journée chez ma fille avec les beaux-parents de mon beau garçon. Parce qu'on s'attend très bien. Moi et les beaux-parents, on s'attend très, très, très bien. Ça fait 7 ans, je crois, qu'elle est avec mon beau garçon. Attendez, je crois que je vous dis des conneries. Le petit a 2 ans, je pense, je crois que ça fait 7-8 ans, je crois. Donc, et on s'est toujours bien entendu. Il y a un moment, ma fille, elle est restée en Moselle. Elle est partie 2 ans en Moselle. Ben, à chaque vacances ou des week-ends, il y avait des longs week-ends. Ben, hop, on y allait, nous et les beaux-parents, on y allait. C'est bien hein, quand ça tombe comme ça, super bien. C'est tellement rare que tes beaux-parents, ils s'attendent, quoi. Mais nous, franchement, puis on s'entraide, quoi, pour le petit. Quand ma fille, elle travaille, comme hier, je l'ai eu, mais il a été insupportable. Il a pas arrêté de pleurer, mes petits chats, hier, mon petit-fils. Il m'a tapé une de ses crises. Oh là 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 là. Puis moi, j'ai plus de patience. Hein. Vous avez bon dire, mais j'en ai eu quatre, c'est bon, quoi. Enfin, après, il est petit. Hein. Oh, désolé, c'est mon téléphone. Si vous attendez, cling, bzz, bzz, cling, c'est mon téléphone qui est à côté de moi. Donc, voilà. Donc, je faisais mon petit hall de couloir. Je rangeais bien les chaussures, parce qu'on laisse toujours traîner dans le hall nos chaussures. C'est pas grave, après, ça se range. Hein. C'est pas un souci, ça. Oh, c'est bête que je peux pas vous mettre de la musique. C'est bête, bête. Oh, le temps ici est gris, 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 gris. Bah, toute la semaine, on aura eu du temps gris. Je voudrais bien quand même un rayon de soleil. Parce que je sais pas moi. Excusez-moi. Oh, franchement, excusez-moi. Mais on est fatigué que ce temps-là. Il nous fatigue. Bon, certes, il pleut pas, mais il fait pas froid, mais moi, il me fatigue ce temps-là. Du gris comme ça. Oh, puis j'espère pour Noël, on aura de la neige. Enfin, tout au moins les vacances de décembre, quoi. Qu'on aura un peu de neige. Ça ferait du bien au moral. Moi, j'aime bien la neige tout blanc et tout. Oh, c'est beau. C'est vrai qu'après, quand ça fond et tout, ça fait tout de la bouillasse. C'est pas beau à voir, mais quand ça tombe et quand ça reste un peu. Oh, c'est trop bien. Moi, j'aime bien. Ah, ça m'embête que je peux pas vous mettre de musique. Hein. Parce qu'à force, moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Ah, j'ai eu beaucoup d'abonnés hier. Ah ouais, j'ai eu beaucoup d'abonnés hier. Je vous dis coucou les nouvelles.
Il y a Cathy, j'ai eu Cathy. Bah, attendez, j'ai mon téléphone à côté de moi, je vais vous dire ça. Attendez, hein. Donc, oui, donc j'ai eu Cathy. Ouais, j'ai eu Cathy. Donc, coucou Cathy. J'ai eu. Attendez, est-ce que je regarde en même temps? J'ai eu Steph. Ouais, j'ai eu Steph. J'ai eu. J'ai eu Lydia, coucou Lydia. Vous me dites, ah, si je me trompe dans vos prénoms, mais non, c'est Lydia. Ouais, Lydia, ouais, c'est ça. Parce que je lis en même temps les commentaires parce que je sais plus si c'est Steph ou Cathy. Ah ben non, Lydia, ben regarde. Alors pour mon bal et vapeur, Lydia, je te réponds. Je t'ai répondu en commentaire, mais je te le redis là. Moi, je l'ai acheté sur Cdiscount, je crois. J'ai mon lien en barre description. Mais je crois que la semaine prochaine, ils vont le faire à Lidl. À combien le prix, je ne sais pas. Et moi, je suis très contente. Franchement, oh, je suis très contente de ce balai vapeur. Il est pas lourd, il est maniable. Ben, moi, je suis contente. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, il n'a pas cassé. Parce qu'il est tombé. Hein. Oh, punaise! Non, il va trop bien, franchement. Et moi, je voulais un truc en forme de triangle pour qu'il va dans les coins, tu sais. Parce que j'aime pas, moi, les trucs carrés, ça va pas dans les coins. Et là, franchement, non. Il crache bien de la vapeur, ben, il chauffe bien, tu dois le voir. Après, t'as des positions, donc t'as le grand. J'aurais dû te le faire voir en vidéo. T'as du petit vapeur au plus grand, donc tu règles comme tu veux, en fait. Après, moi, mes lavettes de balai vapeur, je les lave à 60 degrés, mais sans produit, sans rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est par exemple lundi, je fais une machine. Allez, je fais deux, trois machines à 40, à 30 degrés. Et ben, elle, après, je les mets. Et je fais une machine à 60, voire 90, que je les passe juste à 90 degrés, mais sans rien. Comme ça me décrase toute la machine. Tu sais? Que souvent quand tu fais des machines avec la lessive et tout, il te reste encore la petite machine, il te reste encore un peu de savon, enfin de la lessive et de la mousse, tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je mets tout mes lavettes balai vapeur. Et je fais souvent c'est 90, moi je les lave à 90. Et sans produit, sans rien. Puis comme ça me décrase, ça me fait tout un lavage dans la machine. Après tu peux rajouter un peu de vinaigre blanc. Mais moi je le fais pas, j'ai déjà fait une fois, mais j'ai remarqué qu'après quand je lavais avec le balai vapeur, ça me faisait des traces. Sur mon carrelage. Donc après, je sais pas si toi t'as un lino du carrelage, faut que tu testes. Mais sinon, tu peux aller voir sur Lidl. Je crois que la semaine prochaine ils en font des balais vapeurs comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Tu me mettras en commentaire. Voilà. Donc ça, Dominique. Ben, coucou Dominique. Ça va Dominique? Je dis parce que j'ai encore Christine. Coucou. Tu vas bien? Chantal. Oui. Coucou Chantal. Mais j'en ai eu des autres. J'ai eu des autres abonnés en plus hier. Parce que je suis montée à 278. Attendez, hop là. J'ai Nadine. J'ai mes abonnés. Si vous êtes gentils, vous me laissez des jolis commentaires. Je suis trop contente. Donc j'ai Chantal, j'ai Cathy, j'ai Steph, Christine, Lydia. Dominique. Ah, peut-être sur celui-là alors. Attendez, est-ce que je regarde en même temps? Ben, je vous papote en même temps. Ben, vous regardez la vidéo, puis je vous papote. Hein. Alors, Lydia. Alors, Marie-Rose. Coucou Marie-Rose. Chantal. Nadine. Coucou Nadine. Tu me trouves toujours dynamique? Oh. J'essaye d'être encore dynamique. Non, je suis dynamique. Carrie. Oh, je vois pas clair. Punaise, c'est écrit en petit. Carrie Mus. Mux. Bah, si je me trompe, tu me le dis. Bonjour, je découvre. Oh. Bonjour, je découvre votre chaîne. Après, moi, je vous tutoie. Donc vous pouvez venir Frambon et me tutoyer parce que moi je vais vous répondre mais je vais vous tutoyer comme ce que je vous connaissais depuis des lustres. Hein. Après chez les ch'tis c'est comme ça je pense. Hein.
Alors bonjour, je te découvre votre chaîne, je me suis abonnée. Vidéo sur la surveillance. Ah oui, de Queen et ça avec ses enfants. Ouais, j'aime bien cette dame, Queen avec ses enfants. Oui, je me suis permise de te laisser un commentaire pour dire oui, je fais des routines ménage, oui. D'accord, oui. Mais je crois que Queen aussi, je crois, elle s'abonne à moi. Ouais, ce que j'aime bien aussi, elle est simple aussi, cette dame. J'aime bien. Elle est. Ouais. Moi, j'aime bien les gens simples. Dominique, coucou Dominique. Je t'ai déjà dit, je crois, Dominique. Soso. Bonjour, Soso. Désolée, t'as pas eu le temps en ce moment. Je suis fatiguée. Bah, repose-toi bien, Soso. Et Turque algérienne. Coucou, Nat, tu vas bien. Je voulais avoir un Facebook. Oui, bah, dis-moi si tu as réussi à me trouver sur Facebook. Sinon, il y a mon Insta, il y a tout en barre de description. Turque algérienne. Puis j'aimerais bien connaître ton petit prénom. Voilà, bah c'est tout, je crois. Donc, coucou aux nouvelles abonnées. Vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Bah, hier, j'ai parlé avec, sur mon Instagram, j'ai papoté avec une abonnée. Je crois que c'est. Non, je n'ai pas d'autre prénom parce que je crois que je vais me planter encore. Alors, attendez, hein. Alors, avec GBD. Oh mince. GBD, mais je crois que c'est. Je sais plus, c'est Cathy ou. GBD. Donc, dis-moi commentaire. Je crois, je sais plus c'est qui. GBD. Non, je sais pas c'est qui. C'est Cathy ou je sais plus. On a papoté. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Bon, en revenant à nos moutons. Donc, je nettoie ma poubelle. Enfin, je la nettoie. Ouais, je la désinfecte en fait. Même mes tabourets et tout. Maintenant, je le fais tous les jours. J'aère beaucoup. Vaut mieux faites-le aussi. Hein. Refaites les gestes barrières et tout. Faut pas lâcher. Hein. Faites bien attention à vous. Et ça va aller. Si on prend toutes les précautions nécessaires, ça va aller. Ben moi, je fais plus de bisous. On fait plus de bisous. Maintenant, nous, on check. Ouais, nous, on check maintenant. Ben, c'est pas plus mal. Moi, je préfère. Ouais, je dansais. Regardez, je dansais. Ouais. Voilà, regardez. Hop. La folle dingue, elle a mal à son dos, mais elle danse. Bon, après, faut, hein. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux, les couper, les pas les couper. Franchement, je sais pas. Je suis encore indécis. Indécis, indécise. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, si je vais couper ou pas. Ah, merci Nadine de m'avoir donné ton Vinted. Ah ouais, bien, super, je suis contente. Faites de même, s'il vous plaît, si vous avez un Vinted. Donnez-le-moi. Sur soit Messenger, Gmail ou... comment on dit ça? Insta. Dites-moi si vous avez, comme ça, je vais aller faire un tour. Moi, j'en ai un aussi en barre d'inscription. Parce que je fouille là pour essayer de trouver un haut ou un pantalon pas trop cher, vous savez, pour les fêtes de fin d'année. Mais je me dis, on est déjà le 16. Ça va être juste, 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 je crois. Ah, merci Nadine, je vais aller faire un tour après, tiens. Donc, je nettoyais ma porte. Ah, ça m'embête qu'il n'y a pas de musique. Je vais vous saouler, là, je crois. Non? Si, je vais vous saouler, là. Hein. Il faisait pas froid dehors. Franchement, il faisait doux comme tout. Alors, je suis contente parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et tout. Mais après, j'ai envie, là, je vais en avoir marre. Plus j'ai envie, j'aime pas. C'est pas le mois que je préfère. Il est long. C'est long. C'est. Janvier est dedans. J'aime pas du tout janvier. Trop long.
Parce que moi, après que les fêtes sont passées, je suis pressée d'être au printemps, en fait. Pour voir les fleurs fleurir, remettre mes fleurs dehors, les arbres qui reprennent leurs feuilles. Oh, je suis pressée. Puis après, je veux faire aussi, c'est après les fêtes là, qui sont passées, un rééquilibrage alimentaire, parce que j'ai trop grossi là. Ça va pas, ça m'énerve. Ah ouais, ça m'énerve. Donc après là, après les fêtes qui sont passées, là, allez hop, on va refaire un jeûne intermittent, on va se remettre. Puis, je sais pas, j'ai envie de courir en ce moment. J'ai envie de faire. Vous savez, commencer tout doucement. Parce que ce qu'il me dit mon mari, il me dit, bah tu cours quoi 5 minutes, tu commences 5 minutes, tu fais pas loin. Puis il me dit, tu fais 2 fois par semaine pour débuter, tu vois. Et après, tu fais, je sais pas, j'ai envie de courir. Je sais pas comment ça se fait. Oh, ben j'arrête pas de bâiller. Je crois que je vais me faire un café là. Donc j'aspire. Vous restez dans une maison ou dans un appartement? Vous êtes locataire ou propriétaire? Ça aussi, mettez-le moi en commentaire, ça vous dérange pas. Vous marquez par exemple maison, propriétaire. Maison, locataire. Moi, je suis locataire. On est dans une maison, on est locataire. Et ça me convient tout à fait, tout à fait. Hein. Qu'on me dit pas, propriétaire, faut plus me parler de ça. J'ai eu une mauvaise expérience. Donc, je vais plus en entendre parler de ça. Bon, locataire, ça me va aussi bien. Comme je dis, quand on a marre de rester quelque part, on lance un préavis, on s'en va. Que quand on a une maison qu'on doit vendre et puis qu'on galère à vendre, merci bien quoi. Voilà. Non. Est-ce que je réponds en même temps à Nadine sur mon téléphone? Bon, je vais me faire un café parce que j'arrête pas de bâiller. Ben, ce midi, hier soir, j'ai fait des saucisses lentilles maison. Je suis contente, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi, je suis contente. Parce que d'habitude, quand je fais ça, j'arrive pas. Ou les pois cassés. C'est comme là, ben, je vais essayer. Là, j'ai réussi mes saucisses lentilles. J'ai à mon mari, je dis, alors, ils sont cuits, ils sont bons. Il m'a dit, ah, ils sont excellents. Je suis contente, je suis contente. La, 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 i, ouh. Non, je rigole. Mais franchement, je fais des saucisses lentilles, je suis contente parce que je les ai réussies, quoi. Parce que ça, il n'y avait pas moyen. Ça, et les pois cassés. Alors, la purée de pois cassés, la maman de mon beau garçon. Oh, je me régale quand elle les fait. Je me régale. Mais ça aussi, je vais essayer d'en faire. Pourtant, à la cantine, je me rappelle quand on avait ça, je ne mets pas. Oh, genre, non, pas ça, c'est pas bon. Je disais, oh, c'est pas bon, non, pas ça. Mais là, j'ai goûté ceux de la maman à mon beau garçon. Oh là là, une tuerie. Une tuerie. Vous, si vous faites des saucisses lentilles maison, vous mettez quoi? Des saucisses snacky, des grosses saucisses de Morbihan? Vous les faites comment, vous? Moi, là, j'ai mis des saucisses snacky. Des carottes. Puis les lentilles, ben, après un oignon. J'ai mis un courbouillon, du thym, du laurier, sel, poivre. Etc., etc., quoi. Donc, dites-moi, vous avez beaucoup de questions à me répondre en commentaire. Mais il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, likez, partagez. N'oubliez pas. Hein. Puis après, si vous avez des amis ou quoi, n'hésitez pas, il faut leur dire. Vous allez attendre ma cafetière, enfin ma. Mais tant pis, quoi. Ah, attendez, je mets tout le lait. Je demande à mon garçon là, qui remet les musiques, là. Parce que c'est vrai que c'est embêtant, quoi. C'est embêtant. Tilly, là. Oui, j'arrive. C'est mon oncle. Parce que tous les matins, vers cette heure-là, il me dit bonjour, ma nièce. Comment elle va, ma nièce? C'est gentil, hein? C'est un oncle que j'ai connu il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans et demi. En fait, j'ai mis une nouvelle, c'était côté de ma maman. Et ma maman, ben, je sais pas, il y a eu des problèmes, je sais pas, avec ses parents. Enfin, je sais pas, moi, après, j'étais petite, je sais pas.
J'ai jamais connu en fait mes oncles, mes tantes. Et puis là, du fait que ma grand-mère et mon grand-père maternels sont décédés, mais même eux, je les ai jamais connus. Hein. Et ben, j'ai le droit à un petit héritage. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon oncle. Donc il y a lui, il y a mon oncle Georges, et après il y a mon oncle André. Mais là, je parle plus à sa femme, à lui, à Marilyn. Voilà. En gros. Donc, En gros, après que j'ai c'est passé comme le balai vapeur, j'aime bien, je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin, je le redis pour les nouvelles. Donc, j'aspire, je passe le balai vapeur et après, je re-aspire. J'aime bien, je trouve que ça fait plus propre. Parce qu'il y a des moments, j'aspire, je passe le balai vapeur, mais il reste encore des minous par terre. Donc, je re-aspire. Et souvent, mes poussières aussi, je les fais. Alors, je suis à l'envers, hein, franchement. On doit faire les poussières avant. Enfin, les poussières, après on passe l'aspirateur ou le balai, selon les gens. Ben moi non. Moi non. Et je fais l'aspirateur, le balai vapeur, je réaspire. Donc après je descends mes tabourets. Enfin, je désinfecte tous mes tabourets et tout avant de passer le balai vapeur et tout ça. Et une fois que j'ai fini tout ça, ben, je m'attaque à mes poussières en fait. C'est débile, hein? Alors que c'est avant en fait. Mais non, moi j'ai toujours fait comme ça. Je le fais après, je me sens encore, je me dis, ah ben c'est encore plus propre, en fait, je me sens mieux quand c'est comme ça. Hop. Ouais, je sais pas. Alors que normalement, c'est le sens inverse, quoi. Mais ce n'est pas grave. Donc là, je passe sur le balai vapeur, puis vous allez voir, après, je vais re-aspirer. Bah oui, j'ai mis la boîte. Ah, la boîte à terre, là, qui change de couleur, la boîte à message. Ben, je l'ai mis là parce que mon mari l'avait mis là derrière la chaudière, mais avec les pommes, oranges, enfin, les fruits et tout, on la voyait pas. Donc, je l'ai changé, je l'ai mis là-bas. Moi, là-bas, on la voit. Là, le gamin est fini à midi 20. Il y a piscine, donc quand il y a piscine, il arrive toujours en retard. Puis là, ça va être à UAU. Je vous dis, on va rentrer vers 1h10. Ça aura à peine le temps de manger qu'on doit repartir pour 1h10. Donc, vous voyez, il y aura 5, 10, 15 minutes pour manger. Et on repart. Oh, le jeudi, c'est à UAU. Franchement, je déteste le jeudi. Ben là, il y a eu aussi lundi, je crois. C'était lundi que. Non. Parce que lundi, il y a eu une petite journée. C'est mardi. Ça fait que tous les profs qui n'étaient pas là lundi, enfin, les profs, il y en a un, je crois, un ou deux. Ils ont reculé à mardi, et mardi pareil, il a fait 8h, midi 20, 2h moins 10, 17h. Mais là, ça va finir à 15h50. Donc ça va, et demain c'est 9h, 11h20, c'est une petite journée demain, ouais. 9h10, 11h20, 14h, 15h50. Hop, et après vacances. Vacances, les petits chats, vacances, vacances. La 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 la. Par contre, ah ouais, c'est ça, je devais vous dire. Par contre, alors la première semaine des vacances, c'est bon, je vais faire des vidéos tous les jours. Par contre, la deuxième semaine, monsieur est en congé. Donc là, je ferai pas, la deuxième semaine des vacances, je ferai pas de vidéo, mes petits chats. Parce que bah, on va aller à droite, à gauche, enfin, on va profiter de sa semaine de repos, de congé, puis en même temps, il pourra se reposer, on va regarder des films à la télé, enfin, des séries et tout. Donc la deuxième, je vous préviens maintenant, mais je vais vous le redire, la deuxième semaine, je serai, enfin, je posterai pas, quoi. Pendant une semaine, je ne mettrai rien. Et en vacances, c'est normal, quoi, plus c'est ses dernières vacances, parce qu'en fait, lui, il y a 4 semaines en été. C'est le patron qui impose. Et après, il y a 5 jours à Noël. Et après, ben, il va faire de janvier jusqu'à août sans interruption, quoi. Donc là, puis là, il est temps parce qu'il est usé. Il est dans le bâtiment. Vous savez, il est plaqué dans le viseur. Il est usé. Il est fatigué. Donc c'est pour ça, la deuxième semaine, on va rester tranquille. Je ne vais rien faire. Je ne vais pas poster. On va profiter. On va se reposer. Et puis voilà, quoi. J'aurais bien voulu partir en vacances, vous savez, dans la neige, mais voilà quoi. Après, hein,
Il faut les moyens. Peut-être un jour. J'aimerais bien moi faire un Noël comme ça dans un chalet. Dans un chalet et tout, avec une cheminée et tout. Ah, c'est mon rêve. Ben là, il y a ma fille, elle a annulé malheureusement. Elle devait partir là au mois de janvier, première semaine de janvier. Ah, c'est dans les Vosges. En plus, c'est pas ce que j'ai fait l'autre fois. Gérer quelque chose. Mais elle a annulé parce qu'elle voulait une voiture de location parce que ben, la sienne, voilà quoi. Elle me dit qu'elle ne va pas aller ce que là-bas. Mais c'est trop cher la location de voiture, du coup, ils ont annulé. Elle devait partir 3 jours, je crois. Mais elle a annulé. Bon, une prochaine fois. Hein. Parce qu'en fait, elle travaille au McDo, mais elle ne peut pas avoir, elle peut pas poser à Noël, en fait. Ils n'ont pas le droit chez McDo. C'est après les fêtes de fin d'année, ils ont le droit de poser. C'est bête, hein. Parce que moi, je dis, on aurait pu tous cotiser ensemble. Moi, eux, et puis les beaux-parents de mon beau garçon. Et même mon autre fille, puis on aurait passé Noël là-bas. Enfin, pour l'année prochaine, organisé. Mais voilà, ça ne se fera pas. Enfin, ça ne se fera pas. Moi, je peux le faire avec mon mari, quoi, et mon garçon. Je peux éventuellement mettre de l'argent de côté tous les mois, et puis voilà. Parce que j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien passer un Noël dans les neiges, un chalet, tout ça, quoi. Bon, revenons à nos moutons, mes petits chats. Donc là, je reçois ma vaisselle. J'ai reçu, voilà, non, mais d'un sujet, je pars à un autre. Vous allez dire, mais elle, elle est cinglée, en fait. Elle parle d'un sujet, après, elle revient à un autre sujet, puis elle repart sur un autre sujet. Mais c'est moi. C'est pas grave. Donc, je reçois. Là, en février, il va aller me commander la pièce, là, de mon lave-vaisselle. Ah ouais, c'est bon, là. Ah ouais. On sait que c'est quoi la panne. Il va aller me chercher ça en février, ma truc. Et hop, février, je vous ferai une vidéo spécialement la vaisselle. Il va tourner, je crois. Donc là, ben, je donne un coup sur mes carreaux parce que ben ça salit vite quand même. Hein. Ça salit vite quand même. Bon, j'ai fait l'autre côté, mais je ne vous l'ai pas fait voir. Hein. Je vais voir un côté toujours. Un côté sur deux. Même là, au printemps, il faudrait que je vais... Hein, je ne sais pas comment je vais faire, mais parce que j'aime bien, moi, tout nettoyer mes persiennes et tout le printemps. Mais le problème, c'est s'il faut qu'il y a quelqu'un à la maison pour qu'il ferme la persienne. Moi, je nettoie après et rouvre. Et quand monsieur est là, il dit, oh, tu le feras plus tard. Nanana. Donc, il faudrait qu'au printemps, je ne sais pas s'ils ont des vacances, les gosses. Comme ça, je dirais à mon tio, maman, elle va nettoyer dehors et puis tu fermes la persienne et je t'appellerai pour rouvrir. Voilà. Parce que c'est sale. Je crois que cette année, je ne l'ai pas fait. Ouais, non, je ne l'ai pas fait cette année. Et mais là, c'est, là, printemps, c'est parce qu'ils sont dégueulasses. Dehors, là, ils sont dégueulasses. Ah ouais. J'avais fait le devant et tout, mais là, derrière, je ne l'avais pas fait. Donc, j'ai donné un coup. Mais qu'est-ce qui va bien, le produit Renet, là, pour les vitres? Faut que je reprends parce que j'en ai presque plus. Il va super bien. Franchement, puis on n'a pas besoin de frotter fort. Ça glisse tout seul. Ouais, Renet, alcool nettoyant, vitre février, sans trace. Et sans trace, et c'est la vérité. C'est la vérité. Il ne fait pas de trace du tout. Je suis choquée. Parce que habituellement, il marque ça, mais ça fait des traces. Je dis après Ajax et tout ça. Sans trace, ouais, c'est ça. Ou spécial vitre, ouais, c'est ça. Ouais. Que celui-là, franchement, nickel. Franchement, la gamme-là, je vais essayer. Là, c'est la lessive, par contre. Apparemment, elle va bien aussi. Donc, j'essaierai. J'essaierai. Vous voyez, je re-aspire. Voilà. J'avais fait les poussières, les vitres et tout. Enfin, la vitre. Et je re-aspire parce que pour moi, ben, y a de la poussière qui tombe. Et puis, c'est pas propre, quoi. Ce n'est pas propre. Alors que si. J'ai ma fleur de Noël, là, elle perd ses feuilles. Je sais pas si vous avez ça et puis ça vous fait ça. Oh, c'est comme j'avais beaucoup d'orchidées et ils ont attrapé la maladie du cochenil, ouais. Du coup, on a fait des traitements. Franchement, on en a fait des traitements. Mon mari a tout fait, il fallait tout. Il n'y avait pas moyen. Du coup, on a tout jeté. Et là, il me dit, ah ouais, tu sais pas que ta fleur de Noël, elle est sensible aussi au cochenil. Oh, je dis, ah, vas-y, commence pour elle.
Laisse ma fleur de Noël tranquille, hein. Et puis on verra. Donc ouais, j'avais vu une youtubeuse qui avait fait ça avec le produit WC. Donc je me dis, je vais le faire. Apparemment, ça enlève le calcaire. Donc je vous fais voir où j'ai du calcaire. Donc je mets, j'ai même laissé poser 5 minutes pour vous dire. Donc à la youtubeuse, elle mettait sur son évier et tout. Elle dit, oh, nickel. Alors moi j'avais une grosse tache, pas une grosse tache, j'abuse quoi. J'avais une belle tache sur mon évier. Donc, j'ai laissé poser 5 minutes. J'ai frotté, j'ai frotté, j'ai frotté. Il y a un moment, je vous ai mis la caméra à l'envers, mais ce n'est pas grave. C'est moi, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, je frotte, je frotte. Voilà. J'insiste bien. Je mets bien le robinet, surtout à l'eau froide. Hein. Faites couler votre eau à froid. Parce que si vous faites votre eau à chaud et le robinet chaud, ça va vous faire des taches et ça partira plus. Donc surtout, il faut que votre robinetterie, elle est froide en fait. Donc je frotte, hein, je m'acharne, enfin non, je m'acharne pas, mais je frotte quoi. Et résultat du compte, il n'y a rien qui est parti. Je dégoûte. Parce que j'ai l'impression que ça marche chez les autres, mais moi quand je le fais, ça ne marche pas. Par contre, ça brille. Je trouve que ça brille par contre. Du coup, après, j'ai pris mon produit Renette bicarbonate, nettoyant en cuisine, des graisses en profondeur. Donc, j'ai mis un peu de pitch de ce produit sur ma tâche. Attention, je vais vous faire voir. Et puis, là, j'ai laissé poser quoi? 1 minute, même pas. J'ai frotté, plus rien. Pouh! Donc, il y a des moments où on se dit, ouais, ben, l'écologie, ça va mieux que les produits chimiques. Que les produits chimiques qui mettent plein de trucs dedans, il n'y a rien qui part, et écologique, ça part. Oh, j'étais dégoûtée, j'ai franchement, ben, je vais essayer, c'est des astuces. Par contre, j'ai une autre astuce, mais ça sera au printemps quand les chauffages vont être éteints. Je vais vous verrez. Vous verrez bien qu'est-ce que je vais vous faire voir. Donc voilà, pour le produit WC, ben, écoutez, pour moi, c'est un flop. Franchement, totalement. Si, moi, ça le fait briller. Après, pour le calcaire, rien de tel, moi, pour moi, mon avis perso, hein, l'anticale, parce que j'ai déjà fait avec du citron jaune, je frotte comme ça, hein, sur, il n'y a rien qu'à faire, du vinaigre blanc, il n'y a rien qu'à faire, il n'y a que l'anticale. Enfin, pour ma Donc, mes part à moi, petits chats, la vidéo maintenant, va vous, je prendre sais pas. fin. Donc, je vous dis à demain. N'oubliez pas de me répondre en commentaire les questions que je vous ai posées. Je vous fais plein de bisous, bisous. Je vous adore. Partagez, likez, parlez autour de vous. Je vous adore. À demain, bisous, bisous.